Aujourd'hui, notre sujet est le livre La guerre des Lumières. Aujourd'hui, notre auteur Louis Aymon est venu nous en parler. Un peu plus tard, notre acteur Johnny Depp va faire une petite scène pour vous. Ensuite, deux journalistes critiques vont nous parler du livre. Nous sommes avec Monsieur Aymon. Monsieur Aymon, vous avez déjà été professeur? Oui, j'ai été professeur durant un certain moment dans les écoles. Aussi, je vois que vous êtes écrivain depuis longtemps. Oui, je suis écrivain depuis environ 20 ans aujourd'hui. J'ai toujours aimé ce métier, parce que ce métier m'inspire beaucoup. D'où vous êtes venu de créer le livre La guerre des Lumières? J'ai toujours aimé la magie de Noël. C'est quelque chose qui m'a toujours inspiré. Puis j'avais toujours eu le goût de faire un livre pour... Faire un résumé du roman. Bien sûr, c'est l'histoire d'un étudiant de 12 ans. Au début, toute la rue s'entendait bien jusqu'au moment où des personnes emménagent dans la rue. Ben, dans le fond, c'était la rue la plus décorée du quartier. Puis, dans le fond, il y a un concours, puis il gagne tout le temps. Dans le fond, les Koskis, c'est ceux qui ont aménagé. Ils ne voulaient pas décorer leur maison. Alors, tous leurs voisins se sont mis à les influencer, à même décorer leur maison tellement qu'ils voulaient qu'ils décorent. Ont vu qu'ils avaient un plus gros foyer, qu'ils ont, dans le fond, ils ont invité la rue pour fêter Noël. Puis, c'est ça. Puis, ils sont rendus amis, puis ça finit bien. Bon, maintenant, nous allons faire une pause publicitaire. De retour après la pause. Que Whiskias a fait une grosse arnaque. Voici les tentations. Aucun chat n'en mangerait. Bonjour. De retour au monde du livre. Maintenant, nous accueillons Johnny Depp. Parlez-nous du personnage que vous allez incarner dans le film La guerre des Lumières. Le personnage que j'incarne dans ce livre s'appelle Vincent. Il est gras, barbu, il est père de famille et dans le fond, il a beaucoup d'amis et il adore les festivités. Maintenant, Monsieur Johnny Depp, nous allons regarder un extrait de votre film La guerre des Lumières. Posez une question! Je vous ai répondu, j'aimais de la lumière. Retirez-la tout de suite! Essayez donc! À cet extrait, nous allons revenir après la pause. New Look, le meilleur lunetier au monde. Ils font des prix incroyables. Deux paires de lentilles pour le prix d'une. Mais wow! C'est imbattable! New Look pour une meilleure vue. Deux journalistes critiques, Bob et Richard. Dites-nous, Bob, ce que vous avez aimé de ce livre. Ben, dans le fond, là, il nous montre que pas mal que même si les gens, ils ne décorent pas leur maison, ben, ils sont bien gentils. Tu sais, les bons petits masculins, là. Puis aussi, ben, j'ai bien aimé le livre parce qu'il est pas trop long. Pis il est bien amusant à lire, je l'ai lu avec mes enfants là, pis c'était qu'un an là. Pis on se met bien dans l'esprit de Noël. Là. Oh! Oh! Excusez-moi, un instant, on m'informe qu'à New York une grosse tempête se bat sur la ville. Allons rejoindre en direct Pierre Bruno. Bon, j'ai invité
remercier, chers téléspectateurs, d'avoir regardé l'émission Le Monde du Livre. Nous vous invitons à lire le roman La Guerre des Lumières et à regarder le film La Guerre des Lumières en famille. Nous vous laissons sur un extrait musical qui jouera dans le film. Merci et bonne soirée. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Aujourd'hui, bienvenue à l'émission Le Monde du Livre. Aujourd'hui, notre sujet du jour est la guerre des lumières. vous avez été écrivain aussi? Oui, j'ai été écrivain. De créer ce livre? Ben, on était au mois de novembre quand j'ai créé ce livre. Fait que j'ai. Vas-y, j'attends! Vas-y, j'attends! Je suis venue vous poser quelques questions. Ferme-la! Tiens! J'ai répondu, j'ai mis de la lumière. Ça m'est égal. Je suis venue. Luc, pour le